Good morning, allez Iden. L'étude sera aujourd'hui les Zrout et les Ivugagoun de Brigitte Sarah bat Daniel Hmessa et Chava Muriel Fleur bat Jeanne. Et nous étudions Baba Metzia, Perek Gimel Mishnah Chet. Yotzi lo shtut la yain, Rabbi Yoda Omer Chomesh. Yotzi lo shloshet login shemen lamea, logu mechza shmarim, logu mechza bala. Ima yashemen mezukak. אינו מוציא לו שמרים. אם היו קנקנים ישנים, אינו מוציא לו בלה. רבי יהודה אומר, אף המוכר שמן מזוקק לחברו כל ימות השנה, הרי זה מקבל עליו לוג ומחצה שמרים למאה. Notre Mishnah continue directement la Mishnah d'hier. D'ailleurs, si vous faites attention, ça manque de situer la scène, de sujet, verbe, complément, il n'y a rien du tout, parce qu'on est réellement en train de continuer la Mishnah d'hier. Donc on rappelle d'abord le thème de la Mishnah d'hier. On apprenait les lois de celui qui met en dépôt ses céréales chez son ami, qui les lui garde pendant un an par exemple, et cet ami mélange ses céréales avec les siennes. D'accord ? Dans sa grange, il mélange tout en même temps. Et maintenant, tout au long de l'année, il fait encore entrer d'autres céréales, il prend, il récupère, et donc il a une dette de 100 litres de blé à son copain. Au bout de l'année, l'ami revient, et il réclame ses 100 litres. Et lui, donc on apprenait dans la Mishnah d'hier qu'il devait lui déduire, selon le cas, 5%, 2,5%, 5%, 10%, ça dépendait des cas. Il devrait lui déduire, pourquoi ? Parce qu'il y a des pertes. Ça sèche, ça rétrécit, le volume diminue. Il y avait plusieurs facteurs qui faisaient, les souris, on en a parlé, le vent, plusieurs facteurs qui font que ça diminue. Donc il va calculer, il va prendre une constante de 2,5% pour le blé par exemple. Et donc il va lui rendre le lion dans les 100 kg, il va lui rendre 97,5 litres, on avait dit pas kilo. Ça c'était la Mishnah d'hier. Aujourd'hui maintenant on continue avec des liquides. De nouveau, je vais voir mon voisin. Je vais lui dire, je vais partir en voyage pendant un an. Je te confie mon vin. J'ai 100 litres de vin. Tu le prends, tu le gardes dans tes tonneaux. Donc moi, j'amène avec des petits fûts. Et lui, il a des conteneurs gigantesques en bois. Donc à l'époque, c'était la matière qu'on utilisait pour faire les fûts, les gros tonneaux. Et donc, je renverse mon vin chez lui. Lui, pendant l'année maintenant, de temps en temps, il rajoute du vin, il récupère son vin, et puis au bout d'un an, je reviens, et je lui dis, maintenant, rends-moi mon vin. Et alors la Mishnah nous dit, tu sais quoi, quand tu récupères ton vin, tu récupères un sixième de moins. C'est ce que la Mishnah nous dit, Yotzi lo shtut la yayin. Shtut, ça vient de shesh, souvent le shin et le taf, ils s'échangent en vieil hébreu, donc ça fait shishit, shtut, un sixième. Retenez d'ailleurs ce shtut, c'est pas avec un tête, je doute que c'est une bêtise en hébreu, c'est un taf. Ça vient de shet, shit en araméen. Et on en parlera fréquemment, ce sera un mot qui reviendra plusieurs fois lorsqu'on sera au Perek Revi Azav. D'accord ? En tout cas, pour notre propos, pour le moment, il faudra donc diminuer un sixième. Pourquoi ? Où le vin il est parti cette fois-ci ? C'est quoi ? C'est les souris qui sont venues boire avant de dormir ? De quoi on parle ? Alors c'est très simple. À l'époque, on faisait les tonneaux en bois. On utilisait du bois sec quand on faisait un tonneau. Et donc le tonneau buvait, il absorbe des liquides. Et au bout d'un an, on estime, on évalue que le tonneau a évalué un sixième de son volume. D'accord ? C'est une constante. On va pas rallonger dessus, mais en tout cas, c'est une constante. Rabbi Yehuda Omer, Chomesh. Rabbi Yehuda discute, il dit non, tu enlèves pas un sixième, tu enlèves un cinquième. En réalité, il n'y a pas de discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Ils pensent tous les deux qu'il faut on a une constante. Seulement, la Gemara rapporte, le partenaire va rapporter, que dans la contrée de Rabbi Yehuda, on utilisait un bois encore plus sec pour faire des tonneaux. Et de ce fait, le bois absorbait encore plus que ce que Chachamim estime. D'accord ? De là, on va donc déduire si à notre époque, notre bois absorbe beaucoup moins, on a des enduits qu'on met sur le bois pour éviter que ça absorbe, alors, en l'occurrence, on diminuera. Par conséquent, on ira voir un physicien, un chimiste, je ne sais pas ce qu'il faut aller voir, qui nous donnera une constante, il nous fera un devis, une évaluation, et on se fondera sur sa parole, et on diminuera ça. D'accord ? Mieux que ça, la Mishnah va parler d'encore mieux que ça. Je le dis tout de suite, parce qu'on va en parler dans la prochaine ligne. Non, on va le faire dans l'ordre de la Mishnah. On va parler maintenant, jusqu'à maintenant on a parlé du vin. Le vin est relativement plus fluide que l'huile.
donc le vin se fait mieux absorber dans les tonneaux, on a dit un sixième. Par contre, Yotzilo Shloshet Login Shemen Lemea. Si il a fait le même système, il a pris son huile d'olive, d'accord? Il a mélangé dans les conteneurs de son voisin, et au bout d'un an, il vient récupérer, il devra cette fois-ci retirer uniquement 3 logs pour 100 logs. Log, c'était une mesure de l'époque, ça vous change rien, puisque de toute façon, on parle 3%, donc ça fait 3%, vous voulez des litres, des ce que vous voulez, donc ça sortira des 3%. D'accord? On supprime 3 logs. De quoi sont composés ces 3 logs? Regardez, la Mishnah nous fait une précision. Tu sais pourquoi je te demande de supprimer 3%? Il y a en réalité log ou mertzach marim, 1,5% pour les résidus. Pour les amoureux de la langue française, ça se dit en bon français des tourteaux. D'accord? T-O-U-T-E-A-U-X. Faites une recherche Wikipédia, vous verrez. C'est les résidus en fait de l'huile. Pour faire de l'huile d'olive, on prend même toutes les huiles en général, on écrase, on pile et on écrase, et ensuite on récupère, on fait sortir l'huile, et il y a toujours des résidus. Et puis là, il y a des résidus donc qui vont tomber, des résidus d'olive, d'amande, de ce qu'on fait, qui vont se mélanger dans l'huile. Et l'huile au début, elle est relativement opaque, et plus on va la laisser, plus l'huile va se décomposer, en faisant remonter les petits, donc les tourteaux, les résidus. Et en plus de ça, il y aura aussi une certaine absorption des parois des tonneaux, mais beaucoup moins forte, étant donné que l'huile est plus moins fluide. Et donc, ça va nous faire en fait qu'au bout d'un an, lorsqu'on va venir récupérer l'huile, tu m'as déposé 100 litres, je te ressors uniquement 97 litres. Parce que je vais te dire, tu sais, en réalité, 1,5 litres, c'est dans toute la grosse masse là qui a maintenant décomposé dans le tonneau, tu vois, tout dans le tonneau. T'as comme ça un petit 5 cm, 10 cm de résidus, t'as aussi une part là-dedans, et tes litres. Ton huile, elle a aussi apporté des résidus, donc si tu veux, si t'insistes, je te les donne, tu vas rien en faire. Donc t'as une partie qui est là, et une partie qui était absorbée dans les parois, donc 1,5. La Mishnah a eu besoin de nous décomposer ces 3 logs pour nous apprendre quelque chose d'extraordinaire, regardez. Imaya Shemen Mezukak et Nomotilo Shumarim. Si maintenant l'huile que j'ai mis en dépôt chez mon voisin était en fait du Shemen Mezukak, de l'huile filtrée, elle a déjà été décomposée, elle était déjà, je sais pas comment dire, limpide, elle était claire, elle était plus opaque, elle était plus mélangée avec ses résidus. Alors dans ce cas-là, tu me diminueras uniquement 1,5%. Et aussi, si je te donnais une huile opaque, mais cette fois-ci tu les as mis dans des tonneaux qui ont déjà été utilisés pendant un an, pendant deux ans, qui sont déjà arrivés en la salle en saturation. Ils ont déjà absorbé tout ce qu'ils avaient absorbé comme liquide. Il est tellement humide l'opaque maintenant, il ne peut plus rien absorber de plus. Alors dans ce cas-là, tu diminueras plus le 1,5% dû à l'absorption des parois. D'accord? Donc en fait, je lui donne à garder de l'huile déjà parfaitement filtré et limpide, et qu'il la met dans des tonneaux où il y avait déjà eu de l'huile d'olive, donc les tonneaux maintenant sont assez parfaitement absorbés, ou bien c'est la même chose pour le vin, c'est le même principe. Alors dans ce cas-là, il me rendra 100% de mon huile. Logique, parfait, on a bien compris toute la première partie de la Mishnah. On le refait peut-être dans les mots encore une fois. Donc dans la première partie de la Mishnah, on parle du vin. Yotzilosh, toute la yain, il devra supprimer un sixième pour le vin. Rabbi Yehuda Omer Chomesh. Rabbi Yehuda dit, supprime un cinquième. Ensuite, on parle de l'huile maintenant. Yotzilo Shloshet Login Shemen Lemea. Il devra lui supprimer 3 logs pour 100 logs. Donc 3%, il lui supprime du montant final, enfin, quand il lui restitue. De quoi sont composés ces 3%? Log Omerta Shmarim. Un log et demi, donc une mesure de un log et demi. Tu la retires à cause des Shmarim, des résidus. Et log Omerta Bala. Un log et demi, tu le déduis à cause de l'absorption dans les parois. De ce fait, imaya shemen mezukak, si l'huile était déjà filtrée, et non motzi lo shmarim, il n'y aura plus lieu de lui supprimer le 1,5% dû au résidu. Imayu kankanim yeshanim, et non motzi lo bala. Et idem aussi, inversement, si les tonneaux, les cruches, les tonneaux, étaient anciens, c'est-à-dire qu'ils ont déjà été utilisés, ils ont déjà absorbé bien, alors Enomotsilo Bala, il ne lui déduira pas
le liquide, l'huile ou même le vin, ça vient même absorbé par les parois. Fin de la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, étant donné qu'on a parlé des déductions, on va maintenant utiliser, se mettre à parler maintenant des mêmes pourcentages, plus ou moins, dans un autre contexte. On ne va plus parler de gardien, de dépôt, on va plutôt parler de vente. La Mishnah aussi, elle est un peu délicate, dans la mesure où on va rapporter juste Rabbi Yehuda qui parle, et de Rabbi Yehuda, il va falloir déduire qu'est-ce qu'il pense Rahamim. C'est le travail de la Gemara, c'est un travail très intéressant, pour ceux qui étudient la Gemara, ça ouvre beaucoup l'esprit, étant donné qu'il va falloir, à partir des quelques mots dits, deviner qu'est-ce que l'autre avis suppose pour que celui-ci vienne dire le contraire. Enfin, on va d'abord évoquer le problème à l'oral, après on va rentrer dans le monde de Rabbi Yehuda, et puis après on explique le fond de la marloquette, de quoi ils discutent en réalité. On va parler maintenant du cas où, d'ailleurs retenez aussi le procédé de vente, parce qu'on en aura besoin cette fois-ci quand on arrivera au 5e Pérec dans Ezeu Necher, ça apparaîtra plusieurs fois le même principe de vente d'achat. À l'époque, c'était fréquent. On partait, par exemple, au début de l'année, on partait voir un producteur, un agriculteur, et ou bien un producteur d'huile, ça vient même, et on lui donnait une somme pour acheter pour toute l'année. Et au fur et à mesure, je viens me servir chez toi, j'ai une fiche, par exemple, je t'achète 200 litres de vin, et je viens toutes les semaines pour prendre mon... D'accord, 50 litres de vin, je viens toutes les semaines chercher mon petit litre de vin. D'accord? Et chaque fois, tu coches, tac, 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 et comme ça on arrive à 50, et comme ça on en parlera dans les zones chères, parce qu'il y aura des grands problèmes d'intérêt, de ribit, étant donné que dans ce procédé, on paye moins cher, et après tu rembourses quand ça coûte plus cher, donc ça on aura l'occasion d'en parler longuement. Concrètement, pour notre propos, pour le moment, on va parler du cas où je suis venu chez un producteur d'huile, et je lui ai donné, disons 10 shekels le litre, je lui ai donné 1000 shekels pour avoir 100 litres d'huile que je viendrai chercher tout au long de l'année. D'accord? Donc je lui donne 1000 shekels et il doit me donner 100 litres d'huile. Ce qui se passe, c'est qu'au moment où je lui donne l'argent, il a encore son huile opaque, qui est d'ailleurs pas encore... Son huile opaque, on va parler que de ça pour le moment. Il a son huile, donc, où il y a dedans tous les résidus mélangés. Et là, s'il devait me sortir les 100 litres, regardez ce qui se passerait. S'il devait me sortir les 100 litres tout de suite, et les garder, et ensuite me les donner, il me les met dans des fûts, et moi je les garde chez moi. Qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un an, tous les résidus vont remonter, et je ne vais récupérer que 98,5 litres, parce qu'il y a 1,5% qui vont partir. On a dit que c'est les shmarim, c'est les résidus, les tourteaux. D'accord? De ce fait, maintenant, ça c'est quand j'ai pris l'huile chez moi. Alors maintenant, selon ce principe, qu'est-ce qui se passe si, au lieu de prendre l'huile, je lui dis tu la gardes chez toi et je viens toutes les semaines et je me sers. Est-ce qu'on va, on va pas rentrer dans les détails du calcul de la constante, mais est-ce qu'on va quand même déduire le fait que l'huile se décompose et que comme moi je l'ai payé finalement, je lui donnais les 1000 shekels pour les 100 litres qui incluaient une partie des shmarim. Donc finalement, au bout du compte, il va, au lieu de causer, de cocher, de mettre un petit V, comme ça, un petit V là, sur les 100 litres, il va juste 98,5 et il s'arrête au bout du compte. Il me dit, ça y est, hey, tu veux que je te donne encore 1,5? Ben bien, je vais te donner un petit peu des résidus, tu vas voir ce que tu vas en faire. D'accord? Pourquoi je vais te donner de l'huile, les zoukaks, de l'huile filtrée? Il n'y a aucune raison. Quand tu m'as payé pour une huile telle quelle, qui était en l'occurrence opaque. Alors c'est l'avis de Rabbi Yehuda Behemet, que je ne vais pas lui donner 100 litres, mais je vais lui donner que 98,5, et si après il insiste, ben, je vais lui sortir les résidus, et je lui donne, et il ira lui-même le mettre à la poubelle, ça me fera moins de poids à descendre jusqu'à la poubelle. D'accord? C'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Af amocher shemen mezukak l'chavero kol yemot hashana. Il en va de même. Af, de même. Amocher shemen mezukak, celui qui vend de l'huile mezukak, de l'huile filtrée, la chavero, à son prochain, kol yemot hashana, tout au long de l'année. C'est-à-dire, il lui a vendu de l'huile, sans préciser qu'il lui vendait de l'huile filtrée.
mais que malgré tout, l'huile, elle est devenue opaque, parce qu'au fur et à mesure, ça s'est encore plus décomposé jusqu'à que les shmarim, les résidus sont tombés, sont restés en haut, et donc à chaque fois, il lui prenait du cœur du tonneau et il lui sortait de l'huile toute propre. Et donc, à Rezem et Kabel, à la vlog, ou Merza, shmarim, la mea, l'acheteur devra recevoir, prendre sur lui, donc déduire du compte, log omerza shmarim lemea, un log et demi de résidus pour 100. D'accord ? Le 1,5%, il devra de nouveau le diminuer. Tel est l'avis de Rabbi Yehuda. Donc, si Rabbi Yehuda parle, c'est parce que Chachamim discute. Selon Chachamim, il devra lui donner 100% d'huile diminuée. Et il y a ici une finesse. Quelle est la profondeur de la discussion? Est-ce qu'il faut diminuer ou pas diminuer? Je dis tout de suite la conclusion, comme ça c'est rapporté dans le Rambam, partiellement, mais le Rambam est un petit peu compliqué, mais en tout cas l'idée est là. C'est qu'en réalité, ça va toucher à Baba Batra, ce sera des sujets qui seront amplement développés dans Baba Batra, mais l'idée, déjà, on peut l'introduire. Lorsqu'on va acheter, c'est très fréquent, lorsqu'on va acheter de l'huile, d'accord, on va prendre le cas de la Mishnah, donc on va acheter de l'huile et il y a dedans, en haut, des shmarim. Le vendeur remarque doucement, c'est en train de se décomposer. Lui, chaque litre, c'est un certain bénéfice. Ce qui se passe, c'est qu'il remarque que son huile est en train de se décomposer. Qu'est-ce qu'il fait le malin? Il remélange à chaque fois son huile, comme ça, il reprend de l'huile opaque. Ça va lui permettre, au bout du compte, de gagner 1,5% de plus de bénéfice. Sinon, ce serait parti à la poubelle. C'est sur ça qu'il fait son argent, sûrement. D'accord? Est-ce qu'il a le droit, a priori, de mélanger ou non? La Gemara explique que c'est ça, en fait, en réalité, la motivation profonde de la discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Selon Chachamim, le vendeur n'a pas le droit de le faire. De ce fait, moi, je t'ai acheté de l'huile, tu me donnes de l'huile. Et maintenant, t'as un problème avec les shmarim, c'est ton problème. On introduit une notion importante. Au moment où je t'ai donné l'argent pour acheter l'huile, je ne suis pas directement devenu propriétaire de l'huile. D'ailleurs, t'as le droit, si tu veux, de vendre toute cette huile à une personne, et entre-temps, tu recevras une autre huile, et tu me donneras de la nouvelle huile. Donc vous voyez bien que je ne suis pas moi-même propriétaire, possesseur de cette huile. Tu as juste une dette envers moi de 100 litres d'huile. D'accord ? On parlera souvent de cette notion dans les zones chères. Retenez probablement l'idée générale. Au moment où j'ai payé, alors tu as une dette envers moi. Mais je ne suis pas pour le moment devenu propriétaire attitré de l'huile que tu as dans tes mains. D'accord ? De ce fait, moi je t'ai acheté de l'huile. Je ne t'ai pas acheté des résidus. Donc, tant qu'il y a les résidus, donne-moi l'huile. Si les résidus sont décomposés, t'as sûrement pas le droit de les mélanger a priori. D'accord ? Il y a, quand on achète, par exemple, on en parlera amplement dans ma matra, mais je vous donne juste l'idée. Lorsqu'on achète du blé, alors je t'ai acheté des litres de blé, on apprendra qu'il y a une partie de terre et de cailloux qui peut se mélanger dans le blé. Imaginez que, par malchance, vous avez eu 100% de blé avec pas un seul grain de terre. Vous allez dire, ah non, c'est pas juste, vous allez mélanger un petit peu de terre et la vendre au prix du blé, ça va pas la tête. Il y a des situations comme ça où, tant que c'est mélangé, tu me les donnes et je les paye au plein pot, je vais pas te demander une ristourne à cause de la terre mélangée dans le blé ou à cause des résidus mélangés dans l'huile. Mais à partir du moment où ils se sont décomposés, t'as sûrement pas le droit de les mélanger. C'est très c'est malhonnête, cette histoire. D'accord ? Ça, c'est donc l'avis de Chachamim. De ce fait, moi, je t'ai acheté de l'huile, je ne suis pas propriétaire de l'huile, tu dois me fournir 100 litres d'huile. Donc, t'as qu'à me remplir des bouteilles tout de suite, et tu te débrouilles pour que ça se décompose pas, je sais pas, tu te débrouilles, mais en tout cas, dès que ça s'est décomposé, t'es bloqué. T'as sûrement pas le droit de remélanger les shmarim, les résidus dans l'huile pour me la vendre ensuite telle qu'elle. Ça, c'est l'avis de Chachamim. Et Rabbi Yehuda pense qu'on a le droit de mélanger un petit coup comme ça. Bah, on n'a pas parlé de rapporter des shmarim de l'extérieur, bien évidemment. T'as pas le droit de partir chercher des résidus et ensuite me les foutre dedans pour que maintenant tu vas me vendre, au lieu de me vendre 100 litres, tu vas me vendre juste 98 litres et tu vas me rajouter dedans des résidus. Ça, on n'en parle pas du tout, ça va. Mais les résidus propres à cette huile-là qui ont commencé à se décomposer, t'as le droit de remettre un petit coup et tu me donnes telle quelle. C'est l'avis de Rabbi Yehuda. De ce fait, Rabbi Yehuda, il va te dire, bah, tu sais quoi, alors dans ce cas-là, je te déduis le prix des shmarim, du 1,5 shmarim. Parce que j'ai déjà été gentil, au lieu de te faire un sale coup de te vendre de l'huile de mauvaise qualité mélangée avec des résidus, j'ai été sympa avec toi, je te donne de l'huile toute propre, comme ça tu peux la déguster tranquillement. Mais il n'y a pas de raison que moi, j'encaisse cette perte des résidus.
C'est clair. Pour illustrer ça, je sais pas moi. Vous partez, vous commandez un saumon. Avec un prix au kilo. Le vendeur a été gentil, vous la coupez en filet. Alors vous allez lui laisser les arêtes et le gras et la tête et tout ce qu'on pourrait lui laisser, ça va pas la tête. Tu m'as acheté un saumon, je te donne un saumon. Mais tu as aussi payé les. Bon, c'est un exemple grossier, mais c'est le même principe. Tous les résidus et tout ça. Moi j'étais gentil avec toi, je t'ai donné de la matière toute propre. Mais j'ai aucune raison de moi maintenant me coltiner maintenant tous tes résidus à toi. C'est toi qui les as payés. Donc c'est la vie de Rabbi Yehuda. C'est clair donc. La motivation profonde de cette discussion, elle est, est-ce que le vendeur a le droit de remettre un petit coup de louche avant de servir? Selon Chachamim, non. De ce fait, tu dois me fournir de l'huile et sûrement pas des résidus. Et t'as pas le droit de manger les résidus, donc tu me donnes de l'huile pure, 100 litres. Et d'après Rabbi Yehuda, on a le droit de mettre le petit coup de louche. De ce fait, le vendeur va me dire, j'ai été sympa, je l'ai pas mis, mais j'ai sûrement pas... Il n'y a aucune raison que ce soit moi qui encaisse cette perte. Donc tu récupères si tu veux tes résidus, ou si tu veux, je suis quand même gentil, je les transformerai moi à la poubelle. Et voilà pour la Mishnah, on fait à présent le Bar Tenora. Yotzi lo shtut la yain. Alors le Bar Tenora nous explique. Im ifkid etzlo yain ve irvo im yeno. Si il lui a mis en dépôt chez lui du vin, et le gardien l'a mélangé avec son propre vin. Akankanim bol im shtut. Les tonneaux absorbe shtut, un sixième. Rabbi Yehuda Omer Chomesh. Selon Rabbi Yehuda, il faut déduire un cinquième. Shakarka. Alors regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas de discussion en réalité sur ça. Parce que Shakarka, Shayosi, Memenu Akan Kanim, Beatre de Rabbi Yehuda, Bala Chomesh. Parce que la terre avec laquelle, je suppose qu'il mettait sûrement du mortier et qu'il était à base de terre, je ne sais pas tellement. D'accord, j'ai pas fait de recherche internet pour savoir comment est-ce qu'on fabriquait des tonneaux à l'époque, mais en tout cas, à Karka, la terre avec laquelle on faisait à l'époque des kankanim, des cruches, Batré de Rabbi Yehuda, à l'endroit de Rabbi Yehuda, Bala Chomesh, il était tellement, je sais pas comment dire, spongieux pour eux, qu'il absorbait un cinquième. Vakol le fi amakom, en réalité, avec une discussion, tout dépend du lieu de chacun, comment est-ce qu'il fait ses petits pots. Ensuite, on passe dans la deuxième partie de la Mishnah et on avait vu Af Amocher Shemen Mezukak Lachavero. Le Bar Tenora nous explique que Shem Shamru Shmarim Bemafkid, autant que Kachamru Bemocher, autant qu'on a donné ce pourcentage de 1,5 de Shmarim, de résidus, pour le dépôt, idem pour le cas de vente. De quoi on parle? Shamocher Shemen Lachavero, celui qui vend de l'huile à son prochain. Hein, et qu'il lui donne depuis ses tonneaux de l'huile filtrée, tamide, chez Moustapek Mimeno, toujours, chaque fois qu'il vient se faire fournir. Arei alokeach mekabel alav, lifrot lo, log ou merza, l'acheteur doit prendre sur lui d'encaisser, de soustraire. Le log ou merza, une mesure d'un log et demi, pourquoi? Mahmat shmarim, l'école met à log, à cause des résidus qu'il y aura pour chaque log, et ve'en alacha ke Rabbi Yehuda, l'alacha n'est pas fixée comme Rabbi Yehuda, donc on peut aussi retenir l'alacha, on a le droit de mettre le petit coup de louche. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha, rendez-vous demain, kol tov, c'est là.